vois bien? Est-ce que toi aussi tu vois comme moi? Quelle surprise! Regarde, ne garde pas tes talents cachés. Que Dieu te bénisse. Allez à l'enfant. Explose pour la gloire de Dieu. Maintenant, toi-même, tu veux chanter. Je ne sais pas si tu es prêt. Mais moi, dans celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt? Est-ce que le Saint-Esprit est déjà là? Est-ce que le Saint-Esprit est déjà là? Écoutez maintenant notre sœur qui va chanter. La sœur vient de chanter que Jésus-Christ est notre et son appui. Oh, qu'il soit aussi ton appui. Il plaît, il dit, dans mes souffrances, dans mes problèmes, Jésus-Christ est mon appui. Écoutez la sœur qui va chanter pour la gloire de Dieu. Acclamons. Acclamons pour la gloire de Dieu. Maman, pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de voix bizarre.
C'est ta manière de dorer qui prouve que notre Dieu mérite la gloire et la louange. Amen. 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 Regarde, j'ai faim. Toi aussi, tu as faim. Je sais que si on commence à danser, on va encore danser. On va continuer avec des chansons individuelles. Mais pour faciliter la tâche à d'autres personnes, on va d'abord manger parce qu'on va danser fort. Les chanteurs sont déjà prêts. Ils sont déjà chauds. Pendant que les chanteurs vont continuer à chanter, s'ils ont des chansons individuelles, nous allons faciliter la tâche de prendre à manger et commencer à boire. Soyez dans la joie, n'allez pas vite, passons un bon moment devant la présence de notre Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous sommes ici ce soir? Pourquoi être là? Alléluia. Amen. La sœur me répond. T'as dit quoi? Ah, mais tu ne parles pas la fois, tu vois, tout le monde va entendre. T'as dit quoi? Ah, notre journaliste, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Et je voulais juste te rappeler, Jésus s'est fait sacrifier. Avant son sacrifice, il a réuni ses disciples. En leur disant, prenez ces morceaux de pain et du fruit. C'est un repas, ce qu'on appelle le Pâques. C'était, Jésus a dit, faites cela à ma mémoire, chaque fois. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le parcours de Saint-Saëns. Mais après Jésus, il y a eu l'église primitive. Les apôtres étaient ensemble, réunis ensemble. Ton bien m'appartient, mon bien aussi t'appartenait. Alléluia. Amen. Non, si tu es riche, nous sommes tous riches. Amen. Amen. Si je mange, je dois partager aussi avec vous. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ou dire, si je dois te dire un mot, un seul mot, je te dirai, oh, ce soir ou cet après-midi, nous célébrons le jour où l'esclavagisme n'avait plus le pouvoir sur la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a mis fin à certaines choses qui nous a donné l'opportunité de devenir libres. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est parce qu'il y a un homme qui est mort à la croix. À cause de sa mort, il a fait en sorte qu'il n'y ait ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni femme, ni homme. Parce que tout simplement, nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Selon Galates chapitre 3, verset 28. Alléluia. Amen. Par son sacrifice, Jésus a fait en sorte que nous soyons libres, vous soyez aussi libres. Et je vais les rappeler à l'église, dans notre église, nous respectons les enseignements des apôtres. Alléluia. Amen. Non, le temps ancien n'est pas révolu. Ah, quelqu'un pouvait me dire amen. Amen. Donc ça dit, quand j'ai quelque chose, je dois partager avec mon frère. Ça dit, je ne te considère jamais et ne jamais considérer quelqu'un comme un étranger.
Parce que nous sommes un. Qui croit à cela? Oh, qui croit à l'unité de l'Esprit? Qui croit à l'unité du Saint-Esprit? Qui croit qu'à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, il n'y a plus de nations? Amen. Oh non, toutes les nations Amen. Sont unies à cause de son nom. Alléluia. Oh, qui croit qu'à cause du sacrifice de la croix, que la liberté est totale, Amen. Vous ne serez jamais condamné. Alléluia. Et ce soir, nous célébrons cette liberté Alléluia. Parce qu'il s'est fait sacrifier pour que vous et moi, nous soyons libres. Amen. Oh, je dis, béni soit, que Dieu te bénisse. Toi qui es venu ce soir par ce moment, partager l'amour de ta liberté. Ah, toi qui ne comprends pas. Je veux que Dieu te bénisse. Toi qui es venu cet après-midi pour partager la grâce que je ne serai plus esclave. Amen. Et voici le jour de ma liberté. Parce que laisse-moi, je vais l'expliquer à un enfant de Dieu. Le jour où Israël a quitté l'Égypte, le jour là, reste toujours en Israël un jour de gloire. Amen. Amen. Ah, 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 ah. Amen. Non, non, je parle à quelqu'un. Les jours où Israël a quitté l'Égypte, après des années, ces jours-là restent toujours un jour de gloire. Amen. Oh, je dis ce soir aussi, je célèbre les jours où j'ai été racheté. Alléluia. Oh non, je célèbre les jours où Dieu t'a racheté. Amen. Donc ce soir, je partage l'amour parce qu'il n'y a plus de nation. Alléluia. Oh, parce que Dieu nous a fait une seule nation. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque fois, si Dieu te donne, le fait grâce. Et cette habitude-là de partager. La capé, c'est l'amour. La Bible nous apprend dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Moi, j'y croyais aussi avant. Si tu parles à l'âme, tu deviens puissant. Moi, j'y croyais aussi. Si tu as la foi capable de déplacer les montagnes, c'est bien. Tu es fort. Moi, j'y croyais. Si tu commences à résister les morts, c'est alors que tu es puissant. Mais la Bible me dit non, non. Si tu n'as pas l'amour, tu ne vaux rien. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu nous aide à partager cet amour-là. Que nous comprenons. Ça fait mal, il y a des fois, nous les enfants de Dieu, on connaît mieux les démons que les choses de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Donc, quand il fait chose, c'est tel démon. Quand il y a un salvat, c'est tel démon. Non. L'amour agapé. C'est un moment de partage ensemble, un moment de fraction des pains, de démontrer notre amour. Et si l'Église va comprendre ce genre de choses, chaque jour de notre vie, la bénédiction de Dieu sera sur nous. Et soyez dans la joie, soyez en paix, et que Dieu te bénisse. Amen. Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, voilà ce que nous allons faire. Les mamans, vous allez s'occuper de nous. Les enfants, il y a plein de bonbons. Plein de chocolat. Qui aime le chocolat? Les enfants, qui aime le chocolat? Ah oui. Qui aime le chocolat? Ah oui. Ah, je vois les enfants qui aiment le chocolat. Amen. Il y en a plein pour la gloire de notre Dieu. Amen. Les mamans, vous allez nous occuper de nous. Mais entre temps, en même temps, je vais prier. Nous allons prier pour bénir le Seigneur cette nourriture. Nous allons bénir ceux qui ont contribué pour que cela se fasse. Nous allons bénir ceux qui ont pris de leur temps, de leur argent pour préparer la nourriture, pour nous donner les paix qu'ils ont trouvées. La femme qui avait paix d'huile, mais le fait, paix de farine, le fait de recevoir un serviteur dans sa maison, la farine ne manquait plus. Nous allons demander à Dieu pour toutes les personnes qui sont présentes ou absentes, qui ont contribué, que la grâce de Dieu les touche maintenant. Priez maintenant, demande à Dieu. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu touche. Seigneur, ceux qui ont contribué pour la réussite de cette action. Bénis ceux qui ont se préparé, donné de leur temps pour venir auprès de toi, pour te célébrer, te louer, te rendre gloire. Que l'amour de Dieu soit déversé dans la vie de ceux-là qui ont contribué, qui ont préparé, fait, donné de leur temps pour mettre quelque chose pour que ce moment soit un récit. Que ta grâce nous accompagne. Que ton amour nous sorteille. Seigneur, bénis. Seigneur, ces repas que nous allons manger, sanctifiez-les par le sang de Jésus. Car ma Bible me dit, tout est sanctifié, purifié par la parole. Donc sanctifions les poissons et les repas au nom de Jésus. Seigneur, lorsque nous allons manger, que nous puissions te rendre grâce. Que l'amour, la bonté de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es notre Dieu. Seigneur, fais en sorte que ton amour coule encore à nous. Que ta grâce enveloppe encore notre vie.
afin que nous puissions te célébrer. Comme les apôtres, l'église primitive, nous faisons le même pour ta gloire. Que toute l'honneur, toute la gloire soit rendue à toi, notre Dieu. À ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Maintenant que les mamans s'occupent de nous pour nous donner à manger, celle ou celui qui veut chanter pour la gloire de Dieu peut chanter. Gardons l'ambiance. Si quelqu'un qui veut chanter pour la gloire de Dieu, les temps que les mamans, on a faim. Vraiment, on a faim. Ah, acclamez bien fort pour la gloire de Dieu. Chanter. Si quelqu'un veut chanter pour la gloire de Dieu, quelqu'un qui veut chanter, gloire à Dieu. Jésus m'a suppris, agréable et mon suppris. Les enfants, il faut aller chercher les bonbons vous-même. Allez chercher les bonbons, les chocolats là-bas. Papa et maman chanter pour la gloire de Dieu. Papa et maman chanter pour la gloire de Dieu. Soutenez, acclamons très fort pour la gloire de Dieu.
Yeah.
solo, nino na poka, ya de la kakulu. Oh, yeah.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Thank you.
Thank you.
Les enfants, venez devant, venez devant, venez devant, va louer Dieu. Les enfants, avancez, avancez. On va montrer au grand. Les enfants, venez devant, s'il vous plaît. Les enfants, avancez, on va louer Dieu. Les enfants, venez, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui danse. Est-ce que tu peux, si tu ne marches pas, tu peux te lever un peu. Tu peux te lever un peu. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous allons louer. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Les enfants, avancez, avancez.